Bienvenue au Café de la vérité. Notre sujet aujourd'hui va être, on va appeler Dieu fidèle. On a des problèmes, on a des épreuves. Dieu nous a fait des promesses. Et dites-vous bien une chose, il est beaucoup plus fidèle que nous. Si on regarde Deutéronome 7, 9, « Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu, c'est le seul Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance, sa miséricorde, jusqu'à la millième génération. » Donc, ce que ça veut dire ici, ça veut dire toujours. Envers ceux qui l'aiment, qui observent ses commandements. Ceci, c'est sa parole. Dieu la respecte. Soyez-en certains, il ne changera jamais, même un iota de sa parole. Psaume 25, 10. Ça nous dit que Dieu est amour. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidèles pour ceux qui gardent son alliance. Donc, toi, tu peux t'éloigner de Dieu, mais Dieu ne s'éloignera pas de toi. Dieu, il est fidèle. Psaume 90. Le verset 1 et 2. C'est une prière de Moïse, homme de Dieu. Il dit, « Seigneur, tu as été pour moi un refuge. » De génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est le seul Dieu. Marie n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Il n'y en a rien qu'un. Baal n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. Et l'Antéchrist qui s'en vient ne sera pas Dieu. Il y en a un seul. Psaume 102. Psaume 102, les versets 26 à 28. Il dit, « Ils périront, mais tu subsisteras. Ils usent tout comme un vêtement. Tu les changeras comme une habit. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Dieu reste le même. Et tes années ne finiront point. Dieu est l'alpha et l'oméga, et il ne change pas. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur prospérité s'affinera devant toi. Donc, si tu t'es repenti, si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'éternité dans la prospérité. C'est l'éternité, comme qui est dit dans le psaume 23. Donc, un grand bonheur éternel. Dans Hébreu maintenant. Hébreu 13. Et le verset 8. Ça nous dit un peu la même chose ici.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il vous a promis ici, soyez une chose certaine, il va l'accomplir. 1 Corinthiens 1, 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On a vu vidéo avant qu'il y avait des tribunaux. Et qu'on devrait, l'idéal, c'est d'être au tribunal de Christ. Ici, regardez ce que ça nous dit. Il est fidèle, irréprochable. Donc, le jugement va être juste. 1 Corinthiens 10. Le verset 13. Aucune tentation ne surviendra qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez sortir. Oui, même si tu es chrétien, la vie n'est pas toujours rose. On a des épreuves. Mais Dieu a promis une chose qui n'irait jamais plus loin que qu'est-ce qu'on peut aller. Et qu'après, il va nous donner au centuple. On le voit très bien avec l'histoire de Job. Job a tout perdu, sauf sa vie. Et après, Job a tout eu. Beaucoup plus que qu'est-ce qu'il y avait. Mais Job est resté fidèle. Si on reste fidèle, si on continue à combattre pour lui, si on continue à respecter ses ordonnances, à démontrer une vie saine, une vie différente du monde, nous sommes ses témoins sur terre. Et ça, Dieu le sait. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner pour nous purifier de toute iniquité. Soyez bien certain, parce qu'il est fidèle à sa parole. Si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as reconnu tes pécheurs et que tu reconnais que son sang versé nous a lavés de nos péchés, nous sommes purifiés. Donc, nous allons aller au premier tribunal, nous allons aller au ciel. 2 Timothée 2:13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Oui, nous, ça se peut qu'à un moment donné, on s'éloigne un petit peu, là. Tu sais? Ah, hey, yo, hier soir, je me suis laissé aller. Hein? Pardon, Seigneur. Lui reste fidèle. Lui ne s'éloigne pas de nous. Il est fidèle.
Nous aussi, on doit l'être. Comment? En démontrant des fruits. Celui qui est fidèle va démontrer des fruits. Et ces fruits, là, qu'on reconnaît que cet homme ou cette femme est différent des autres. Et bien souvent, c'est là que les gens vont nous dire, « Ben, hey, ça, moi aussi, je le veux. » On va aller voir Galates 5, les versets 22 et 23. Galates 5, 22, 23, on va voir les fruits que quelqu'un qui a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur, des fruits qui vont être donnés, qui vont être portés. Mais le fruit de l'esprit, parce que quand tu te repens, tu reconnais et tu crois que Jésus a tout payé, l'Esprit Saint vient en toi. Et les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la transparence. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ça se voit. Bien souvent, nos gestes, notre manière de vivre portent plus que nos paroles. Fait que c'est important de vivre. Tu as reconnu Jésus, tu l'as accepté. Essaie de l'imiter. Psaume 101. Oups, là. L'Ancien Testament. Psaume 101, 6 et 7. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la faute n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Est-ce que vous iriez prendre un voleur, le rentrer chez vous, lui donner la clé? Non. C'est la même chose pour Dieu. Dieu dit, je veux des gens qui sont fidèles à moi. Parce que lui, il est fidèle à nous. Luc 16, 10 à 12 nous dit que si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en confier des grandes. Dites-vous bien une chose, dans le millénium et tout, quel bonheur ça va être de le servir. Luc 16 et le verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, si vous avez été fidèle dans la richesse injuste, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Comme je disais, tu ne laisseras pas entrer un voleur dans ta maison. Puis si tu engages quelqu'un pour faire un travail, et qui fait du bon travail, tu vas le rappeler pour un plus gros après. Donc, c'est la même chose pour Dieu. Tu es fidèle dans les petites choses, il va t'en confier de grandes.
Apocalypse 2:10 nous dit un peu la même chose. Plus qu'on est fidèle, plus que nos récompenses vont être grandes. On va les lire, Apocalypse 2 et le verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin de vous éprouver. Vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et quoi? Je te donnerai la couronne de la vie. Souvent, on va dire, regarde Paul. On va prendre l'apôtre Paul, qui était emprisonné plusieurs fois. Et c'est là que Paul a fait les plus grandes choses, parce que Paul a écrit ses lettres, la plupart de ses lettres, en prison. Donc, malgré que tout paraissait mal, Paul a fait de grandes choses. Et quand on aime Dieu, qu'on aime Jésus, on veut faire des belles choses pour lui. On veut lui être agréable. Quand tu es en amour, tu vas vouloir être agréable à ta conjointe ou la conjointe ou conjoint. Puis quand elle va être heureuse, tu vas être heureux, vice-versa. C'est comme ça aussi dans la vie spirituelle. Si tu fonctionnes avec Dieu, si tu fais, même dans l'épreuve, ce que lui te demande de faire, tu vas recevoir la couronne. Et les couronnes sont là pour la vie éternelle. Maintenant, toi, est-ce que tu veux un Dieu fidèle? Est-ce que tu veux lui être fidèle et passer par le trône de Christ, recevoir les couronnes et passer l'éternité au ciel? La Bible nous dit, dans Romains 3, 23-24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a été fidèle, il nous a donné un moyen de s'en sauver et a envoyé Jésus mourir à la croix. Repentez-vous, demandez pardon, demandez qu'il vous envoie l'Esprit Saint. » Et reconnaissez que Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Sur cela, n'oubliez pas, pouce en l'air, on partage. On n'est pas abonné, on s'abonne. Et que l'Éternel vous bénisse.